Coucou tout le monde, ici Beris Doll, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une ouverture de ma nouvelle pulipe. Donc c'est une pulipe Mikulol que j'ai commandée sur Vinted. Donc elle est d'occasion. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors bah, j'ai déjà ouvert le gros carton parce qu'il y avait mon adresse en plein devant. Et j'avais la flemme de rayer mon nom, alors du coup j'ai déjà ouvert. Alors donc c'est parti. Donc, déjà elle est dans sa boîte, ça je savais même pas. Bon, elle est pas très bien emballée hein. ça bouge un peu hein. Mais bon c'est pas grave, j'espère qu'elle est en bon état. Voilà, boîte elle est... Ouh. Bon alors ah, il y a sa carte, cool, ça j'étais pas sûre qu'il y avait sa carte, donc ça je suis contente. Normalement il y a tout son outfit, il y a même son socle. Bon ça je m'en fous des socles, moi je m'en sers pas. Donc son... oh trop mignon. Donc son outfit, ça qu'est-ce que c'est, je sais pas. Ça doit être pour ses jambes ou ses mains, j'en sais rien. Ses petits gants. Hop, on met tout ça sur le côté. Sa petite peluche. Elle est trop chou. Et il y a une chaussette et il n'y a pas l'autre. Et où? J'ai rien oublié dans la boîte, non. Bon, ben, j'espère. Ah ben elle est là. Pff, elle s'était cachée. Voilà, donc ces chaussettes. Et passons à la doll. Ouh. Alors. Donc elle a déjà un obitsu et une wig. Oh non, 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 non. Elle est trop mignonne. C'est un modèle que je voulais depuis super longtemps. Mais je pensais que j'allais jamais le trouver par rapport à son prix. Et au final, bah, je l'ai eu... Bon, d'occasion, mais je l'ai eu vraiment pas cher parce que elle a quand même déjà un obitsu et une wig, même si elle est pas en très très bon état. Bon, moi je pense que je vais la couper. Ouh, pardon. Donc je disais, je pense que je vais couper sa wig. Donc, je regarde son visage. Oh, parce que sur les photos elle m'avait l'air jaunie. Mais en fait non, c'est juste de la saleté, donc je vais lui mettre un coup d'éponge magique et ça ira mieux. Donc son obitsu, je vais pas lui laisser. Donc oui, je lui ai commandé un 24 cm et son obitsu, bah, je vais le garder pour une autre doll. Ça je vais le garder, c'est sûr. Et donc elle s'appelle Lilou, elle fait partie de la catégorie La Famille. Donc je vais la déshabiller. Alors comment on fait pour enlever ce truc? Ah oui, c'est attaché là. Alors, faire attention avec mes ongles, même si je les ai coupés. Ah voilà. Alors on enlève tout là. Ouf, toute décoiffée. Ah ouais, non, sa wig, ouais, elle est vraiment en piteux état. Ouais. Bah je vais essayer de la laver, lui faire un soin et... Ah ouais, mais si je la coupe, ça va faire des cheveux hyper courts. Bon, ben, je pense que je vais devoir lui racheter une wig, du coup. Je pensais pas qu'elle était en si mauvais état. Son outfit, ça va, mais moi, je pense pas que je vais le garder. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais le vendre. Parce qu'il est pas en très très bon état non plus. Je sais pas, je vais voir ça. Coller un truc à l'oreille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.